30 ans après sa création, la comédie musicale Air revient à Paris. Née dans l'atmosphère pacifiste et contestataire de la fin des années 60, elle méritait peut-être un petit coup de jeune. Eh bien, c'est réussi grâce au talent d'une compagnie venue du Danemark. Reportage au théâtre Mogador à Paris de Michel Vial et Marc Félix. En 1967, lorsqu'elle fut créée dans une cave de Greenwich Village à New York avant de conquérir le monde, Air semblait résumer toute l'immoralité du siècle dans une succession truculente d'outrances et de sacrilèges contre l'ordre établi. 30 ans après, ce brûlot n'a-t-il pas perdu toute la provocation originale qui en avait fait le succès? C'est une comédie musicale sur l'amour, sur le fait de dire aux gens, n'allez pas vous battre dans la rue, entre vous. C'est un opéra rock sur la nécessité de bien s'entendre avec son prochain. Le rythme, l'idée, mais c'est vraiment... Est-ce qu'il faut le comparer au premier air? England, England, au bout de l'Atlantique. Je suis un génie, génie, et je crois en Dieu, je crois en Dieu. La provocation, en fait, c'est de dire aujourd'hui, vous faites partie d'une communauté, soyez solidaires. Au fond, c'est ça la vraie provocation. Les paroles, c'est bien, la musique, c'est bien, enfin, tout est bien. C'est réaliste, plein d'amour, c'était sensationnel.